Allô les championnes, bienvenue dans la chambre des secrets qui s'est déportée dans le désert d'Israël parce que là, Dieu nous a donné rendez-vous pour nous faire du bien. Et depuis plusieurs semaines, nous nous adressons particulièrement aux couples et à toutes les personnes, à toutes les sœurs qui se préparent pour le mariage parce que le Seigneur nous a mis à cœur une parole, parce qu'il nous a fait une promesse, c'est que c'est la saison de bénédiction des couples et la saison de bénédiction en faveur du mariage. Et la chambre des secrets ne peut pas être en reste parce que là où les femmes se réunissent, Dieu est là et il est là pour bénir. Alors, tu vas envoyer une parole de bénédiction à tes sœurs, tu vas saluer toutes les habitantes de la chambre des secrets parce que nous finissons par former une famille. Par la grâce de Dieu, je vais commencer à regarder aussi après notre émission, notre temps ensemble. Je vais regarder sur Facebook et sur YouTube pour apprendre à connaître toutes les habitantes de la chambre des secrets. Vous allez voir, la semaine prochaine, je vais vous appeler par vos prénoms, mais il faudra répondre présente. Hein. Voilà, faut pas quand j'appelle, c'est absente, absente. Non, non, non. Ici, quand on est là pour toujours. Dans la chambre des secrets, une fois, dans la chambre des secrets, toujours. On est ensemble, les filles, pour un moment de bénédiction encore. Et comme la semaine dernière, nous allons continuer à parler de ce merveilleux couple qui est le couple de Abraham et Saraï, qui sont devenus Abraham et Sarah. Je sens une odeur de changement, je sens une saison de faveur, une saison où beaucoup de choses vont être transformées dans ta vie à la gloire de Dieu. Même les histoires compliquées qu'on pensait incapables de changer, tu vas voir que la grâce de Dieu qui se trouve dans la chambre des secrets va apporter le changement. Voilà, donc nous sommes vraiment bien dans cette chambre des secrets et parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons encore une fois lui confier ce moment. Mais avant de rentrer dans la prière, tu vas liker cette page, tu vas liker cette page pour m'encourager moi, pour encourager toutes les filles qui sont ensemble avec nous dans la chambre des secrets, mais aussi pour permettre à d'autres femmes de pouvoir bénéficier de toutes ces bonnes paroles, de toutes ces bénédictions que nous avons dans la chambre des secrets. Tu vas envoyer la vidéo, tu vas partager le lien et puis surtout, tu vas inviter d'autres femmes à se connecter tous les vendredis soirs à la chambre des secrets pour recevoir des secrets de femmes. Voilà, donc nous allons prier. Tu vas baisser la tête avec moi et ensemble nous allons demander au Seigneur vraiment de prendre encore une fois le contrôle de ce moment, de bénir ces instants et de permettre que sa bénédiction puisse rejoindre toutes les femmes, où qu'elles soient, qui sont connectées en ce moment à la chambre des secrets. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants, ô Dieu vivant, que tu permets. Pour ces précieux moments, ô Père, nous sommes tellement bien dans ta présence. Et avant même, ô Dieu de gloire, que nous n'ayons commencé à parler, nous sentons cette divine présence, cette douce présence du Saint-Esprit. Nous sentons que déjà le Saint-Esprit nous fait du bien et nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir portés tout au long de cette semaine et de nous donner d'atterrir ce soir avec ce moment, Père. Tu es tellement bon pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu pour l'équipement que tu vas nous donner. Merci de nous étirer. Merci de nous équiper. Merci de nous remplir de paix, de joie, de bonheur, de réussite dans tout ce que nous faisons. Merci tout simplement d'être notre Père. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Papa. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour ce précieux moment de partage avec toi. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vis de l'itier et grande
fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Déclare-le avec nous ce soir, ta fidélité. Ta fidélité est grande dans nos vies, Seigneur. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, elle est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous le déclarons, nous le vivons, Seigneur. Ta fidélité est grande. Chaque jour, à chaque instant, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Papa. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi sur cette terre. Nul n'est comme toi, mon Papa. Mon Papa est grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Sauveur, mon Sauveur. Grande est ta fidélité. Seigneur, dans cette chambre des secrets ce soir, une femme élève ta fidélité. Une femme compte tes bienfaits. Une femme se rappelle de tes bontés, de ta grâce et déclare aujourd'hui qu'assurément tu es fidèle, Seigneur, dans toutes les situations, dans toutes les eaux qui ont failli, Seigneur, nous engloutir. Tu nous as sauvés, toi le fidèle. Aujourd'hui encore, alors que tu nous emmènes dans la chambre des secrets, tu viens encore nous sauver. Tu viens encore sauver nos couples et nous voulons te célébrer, Jésus. Le rêve que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, n'est pas mort à cause des circonstances. Nous voulons persévérer parce que nous savons que tu vas accomplir tes desseins dans nos vies, Seigneur, peu importe le temps. Merci. 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 Oui, c'est vrai que ton rêve, ô Dieu, ce rêve que tu as planté dans nos cœurs s'accomplira certainement, Jésus. Tu l'as fait pour Abraham, tu l'as fait pour Sarah, ô Dieu. Tu le feras pour moi, tu le feras pour ma sœur, tu le feras pour tous les habitants de la chambre des secrets, tu le feras pour toutes les femmes, ô Dieu vivant. Merci, Père. Oui, nous voulons
célébrer. Nous voulons exulter de joie, papa, parce que tes promesses sont oui et amen. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, persévère. Quoi qu'il arrive, persévère. Quoi que tu entends, persévère. Peu importe ce que tes yeux voient. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec patience. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère. On leur a dit, si Dieu a mis un rêve, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Et oui, quand tu sais, quand tu sais, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère. Déclarons-le, persévère, 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 persévère. Déclare-le avec foi, persévère, 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 car sa parole et s'accomplira. Certainement sa parole et s'accomplira. Peu importe le temps et les circonstances, et s'accomplira. Peu importe les larmes de ton âme, je dis, et s'accomplira. Certainement, et s'accomplira. Ce que tu as dit, Seigneur Jésus, et s'accomplira. Les paroles que tu as prononcées, Seigneur, et s'accomplira. Ce que tu as prévu avant la fondation de ce monde, et s'accomplira. Certainement. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Encore une fois, nous le déclarons, persévère. Ne t'arrête pas, persévère. Ne ralentis pas, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ce que Jésus a dit, elle s'accomplira.
Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Quand il promet, il accomplit. Et tu le sais, il a des promesses de paix, des promesses de bonheur, des promesses d'un avenir certain pour toi, pour ton couple présent, pour ton couple futur, pour toutes celles qui ne sont pas encore mariées. Dieu a fait des promesses et certainement ces promesses s'accompliront. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler de Abraham et Saraï, qui ont vu Dieu les porter malgré leurs faiblesses, malgré leurs incapacités, malgré leurs imperfections, malgré leurs défis. Dieu ne les a pas abandonnés et la promesse qu'il a faite, il a accompli. Nous allons continuer à marcher avec ce couple dans son développement, dans sa pèlerination vers la promesse du Seigneur. Et je crois que nous serons bénis. Nous allons pouvoir en tirer les leçons qu'il faut. Nous allons pouvoir corriger ce qu'il faut corriger. Dans tous les cas, nous ne sortirons pas de cette soirée sans avoir saisi la bénédiction que Abraham et Sarah véhiculent à toutes les familles de la terre. Alors, si tu veux aller plus loin avec ce sujet, je t'invite à lire cet ouvrage de pasteur Hortense Karambiri, Abraham et Sarah, quelles leçons tirons-nous de leur vie de couple? Voilà, donc tu vas trouver des ressources certaines, tu vas pouvoir retrouver l'histoire de ce couple et toutes les leçons que nous pouvons tirer de leur vie. Donc, aujourd'hui, on va partager quelques-unes de ces pépites et voir en deuxième partie comment est-ce que Abraham et Sarah, après les défis qu'ils ont connus, après être revenus à Bethel, ont pu saisir la promesse de Dieu et voir, comme on le disait, la manifestation de la fidélité du Seigneur. Nous abordons donc notre deuxième partie du couple type Abraham et Sarah à travers la manifestation de la fidélité de Dieu et l'accomplissement de la promesse. Si vous vous souvenez bien, les filles, on avait laissé Abraham et Saraï sur une bonne note. Ils avaient rencontré le prince de paix. Ils avaient communié dans le sang et dans le corps du Christ. En tout cas, ils étaient repartis sur une bonne lancée en travaillant à la séparation d'avec tout ce qui les empêchait d'entrer dans le plan de Dieu. Ils ont veillé à ce que le voile tombe de leurs yeux et donc, tout était bien dans le meilleur des mondes. Notre couple était en marche vers la manifestation de la promesse du Seigneur. Nous les retrouvons donc dans la parole et nous allons lire pour entrer dans le vif du sujet le texte de Genèse au chapitre 16 à partir du verset 1. Il est dit dans ce texte-là, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Je sais que tu as déjà dit « Oh !» Vraiment, on ne s'attendait pas à commencer l'histoire comme ça, n'est-ce pas? Après toutes les victoires de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Abraham avait eu un échange avec le Seigneur et dans cet échange-là, il avait rappelé à Dieu le fait qu'il n'avait toujours pas d'enfant. Le temps était passé, beaucoup d'eau avait coulé sous le pont, beaucoup de changements ont été apportés, mais il y a une situation qui demeurait là. C'était le fait que Abraham et Saraï n'avaient toujours pas d'enfant. Voyez. Et c'est cette situation-là qui nous saisit dès cette deuxième partie, parce que
quand on se laissait la semaine dernière, personne n'a dit que Abraham et Saraï avaient enfin un enfant. Non, ils n'ont toujours pas d'enfant. Et ce texte de Genèse 16 nous le rappelle clairement. Non seulement Abraham a dit à Dieu, bon, il semble que tu ne veux pas me donner d'enfant. Ben, écoute, moi, j'ai pas de problème. Il y a Eliezer qui est là dans ma maison, il a toujours été fidèle, c'est mon serviteur fidèle. Donc moi, j'ai pas de problème. Si tu veux que mon héritage aille à mon serviteur, ben écoute, inscris-le sur mon testament. Moi, c'est bon, cette histoire d'enfant, je tire un trait dessus. Mais vous vous souvenez que Dieu lui avait dit, non, Abraham, si toi, t'as fini avec cette histoire, moi, j'en ai pas fini. Et Dieu lui avait réitéré sa promesse de lui donner un enfant. Ok, Dieu a fait la promesse, seulement il se trouve que le temps a encore passé et la promesse n'était toujours pas, n'est-ce pas, à la porte, la promesse n'était toujours pas en vue. Il semblait effectivement que Dieu avait oublié Abraham et Saraï. Mais il avait fait la promesse. Il avait dit que Abraham allait avoir un enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le couple a été confronté à l'épreuve du temps. Le couple a été éprouvé par rapport à sa patience quant aux promesses du Seigneur. Ils ont vécu et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Beaucoup de couples aussi sont confrontés à l'épreuve du temps. Par rapport aux promesses du Seigneur, nous sommes confrontés à l'épreuve de la patience. Dieu a dit, mais quand est-ce qu'il va réaliser sa promesse? Vous savez, moi, je disais souvent avant, il y a une parole que Dieu a dit, Jésus en tout cas a dit, qui m'intrigue moi, il a dit « je reviens bientôt ». Bon, je reviens bientôt là. Moi, je t'ai même pas converti. Jésus a dit, je reviens bientôt. Je me suis converti jusqu'à j'ai 30 ans, 35 ans de vie chrétienne. Jésus dit toujours, je reviens bientôt. Vous voyez? Donc, le bientôt de Jésus, personne ne sait c'est quand. Ce qui est su, c'est bientôt. Et quand on a cru en Dieu, il faut croire jusqu'au bout. Dieu a dit « bientôt, je reviens ». Il faut croire que « bientôt, c'est bientôt ». Si ce n'est pas bientôt de 2 jours, ce n'est pas bientôt de 1 mois, ce n'est pas bientôt de 1 an, ce n'est pas bientôt de 10 ans, ce n'est pas bientôt de 50 ans, ce qui est sûr, c'est « bientôt ». Voyez. Et de la même façon, Dieu avait fait cette promesse-là à Abraham et Saraï, et dans l'Esprit de Dieu, il le ferait certainement. Il le ferait certainement, tu vois. Peut-être que toi aussi, il y a des promesses que le Seigneur t'a faites. Et par rapport à tout ce qu'on a dit la semaine dernière, tu as essayé de mettre les choses en ordre, de régler les choses. Tu t'es dit, ah, la semaine dernière, toute la semaine, j'ai travaillé à être une femme calme, une femme posée. C'est sûr que ce week-end-là, mon chéri va m'inviter à sortir. Ce qui est sûr, on est vendredi soir. Il t'a pas encore envoyé le message de la sortie. Peut-être que tu te disais, ah, je suis sûre que cette semaine, il va rentrer avec des fleurs. Tu as attendu les fleurs toute la semaine. On est vendredi soir, toujours pas de bouquet de fleurs. Ma chérie, ne te décourage pas. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et la parole dit que si la promesse tarde, attends-la. Attends-la seulement, attends-la. Mais dans la position d'attente, veille à ne pas glisser, veille à ne pas te décourager, veille à ne pas te détourner. Tu dois attendre, garder ta position de sentinelle, garder ta position et attendre parce que la promesse s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Malheureusement, Abraham et Saraï ont pensé que Dieu avait besoin d'aide pour accomplir sa promesse. Et vous savez, souvent, c'est aussi notre cas. Dieu a promis, ok. Mais peut-être qu'au fond, la maxime ou bien le proverbe qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera » est vrai. Voyez, non. Il a dit « il va faire », mais avec quelle main? Avec quelle puissance? De quelle façon? Peut-être que nous aussi, on doit être actifs, on doit agir, on doit aider Dieu. Voyez, non. Des fois, on veut aider Dieu. Mais on doit s'assurer que l'aide qu'on veut apporter à Dieu soit la bonne aide.
dans le cas d'Abraham et Saraï, ça n'a pas été le cas parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont encore une fois chuté. Ils ont chuté. C'est-à-dire, les choses qu'ils avaient vomies, les victoires qu'ils avaient prises, ils ont commencé à les perdre parce que le temps était trop long. Saraï pouvait dire, mon corps est usé, je ne peux plus faire d'enfant. Abraham disait, oui, mon corps est devenu sec à l'intérieur de moi, il n'y a même plus de jus pour prétendre même avoir un enfant. Donc, vraiment, tirons cette affaire au clair. Peut-être qu'il y a une autre façon, il y a une autre méthode pour que la promesse du Seigneur s'accomplisse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur des solutions humaines, des solutions personnelles qui étaient basées sur la pensée humaine, sur une façon de fonctionner humaine et particulièrement une façon de fonctionner du monde. Et c'est ce qu'on a lu, Saraï qui attendait depuis longtemps cette promesse-là. Elle a commencé même à avoir de la peine pour son mari, surtout certainement à partir du jour où il avait commencé à dire « oui, je vais donner mon héritage à mon serviteur et tout ». Elle a commencé certainement à avoir un esprit de culpabilité et elle s'est dit « bon, écoute, il faut que j'aide mon mari à avoir un héritier ». Et il se trouve que dans leur région, il y avait une pratique qui se faisait, c'était de donner sa servante, n'est-ce pas, à son mari pour lui créer une descendance. Et c'est ce que Saraï a fait. Elle a réfléchi à la façon humaine, sur la base de sa culture, sur la base de ce que les gens faisaient dans le monde autour d'elle. Et elle a dit, ben, écoute, Abraham, enfin, au fond, elle n'a pas été très, très différente hein, de la femme de Lot dans la suite, puisqu'elle dit, ton Dieu là, tu l'attends. Moi, j'ai une solution, voyez. Moi, j'ai une solution. Et souvent, on vient embrouiller les plans de Dieu avec nos soi-disant solutions. Et ça a été le cas de Saraï. Elle a mis sa servante dans le lit de son mari et la servante s'est retrouvée enceinte. Au départ, elle pensait que c'était une bonne solution. Elle a délégué la maternité sur la base de la promesse que Dieu lui avait faite. Et Agar s'est retrouvée enceinte, la servante s'est retrouvée enceinte et elle a accouché d'un enfant. Voyez, Abraham aussi, comme on le disait la semaine dernière, il aurait pu être le maillon fort de la chaîne pour ne pas laisser cette chose se faire. Mais quelque part, Abraham n'a pas été le maillon fort. Il a marché avec sa femme dans la folie, dans le manque de foi d'une certaine façon, et ils sont allés avoir cet enfant de Agar. Mais la suite, vous la connaissez, c'est que quand Agar s'est retrouvée enceinte, elle a commencé à mépriser Saraï et elle a commencé à se prendre pour la maîtresse de maison. Alors là, à ce point-là, je veux m'arrêter pour nous interpeller en tant que femmes, les filles. Qu'est-ce que tu n'arrêtes pas de déléguer, tu vois. Des fois, malgré notre position d'épouse, on délègue tout, on délègue tout à nos personnels de maison. Enfin, il y a une logique aujourd'hui qui veut que la femme délègue tout ce qui la concerne. Saraï a délégué sa maternité, mais toi, qu'est-ce que tu délègues dans ton rôle d'épouse, tu vois. Peut-être que ton mari t'a épousé par rapport au bon plat que tu lui faisais quand vous étiez amis et tout. Mais depuis que vous êtes rentrés dans le foyer, ça, c'est Agar qui fait à manger. On ne sait même plus si tu sais préparer ou bien tu ne sais pas. Tu vois, Agar est au contrôle des fourneaux. Des fois, même pour l'éducation des enfants, on va déléguer à Agar. Voyez, il y a trop de choses que nous déléguons et qui nous empêchent d'avoir la tête haute dans nos maisons, qui nous empêchent d'occuper pleinement la place, n'est-ce pas, de reine, de princesse que le Seigneur nous a donnée dans la maison. Tu dois avoir ta main dans tout ce qui se passe dans la vie de ton mari. Tu vois, la partie où tu rentres, tu sais pas qu'est-ce qu'on a préparé, tu sais pas où on a mis les culottes de ton mari, tu sais pas si ses affaires sont repassées, c'est pas repassé, tu sais pas. Ah non. Il y en a, elles n'ont pas chauffe-eau à la maison. Le mari dit, il veut de l'eau chaude. Non seulement tu laisses Aga chauffer l'eau,
Mais pis, tu laisses Agar emmener le seau d'eau dans la douche. Ma chérie, ce que tu cherches, tu vas trouver. Donc, Saraï n'a pas mesuré, n'est-ce pas, la portée de son acte et s'est dit, Agar est là, utilisons-la au maximum. Agar a été utilisée, Agar a revendiqué la place. Donc, peut-être qu'on commence à te négliger parce que tu as donné trop de place à Agar. Tu vois, donc beaucoup de femmes commencent à manquer de l'amour de leur mari, de l'attention de leur mari, parce que quelque part, entre l'homme et elles, elles ont positionné Agar. Donc l'attention du monsieur est divisée en deux, un peu pour toi, un peu pour Agar. Tu n'as plus les 100%, tu te plains, voyez. Donc c'est ce qui s'est passé pour Saraï. Elle a délégué ce qu'il ne fallait pas déléguer malgré la promesse du Seigneur. C'est toi qui as été choisie comme épouse. Comment se fait-il que tu délègues tout? Soit tu délègues à Agar, soit tu délègues à ta belle-mère, soit tu délègues à tes copines. Faut dire à une de tes sœurs, ce que tu cherches là, tu vas trouver. Alléluia. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que malgré l'erreur de Saraï, Dieu réaffirme sa promesse. Dieu réaffirme sa promesse. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est toi qui l'as choisi comme épouse. C'est toi qui l'as choisi comme fiancée de ce frère. C'est toi qui l'as choisi pour être, hein, n'est-ce pas, à la place devant le maire le jour du mariage. Donc, même si tu déconnes, Dieu est bon. Dieu est bon, parce que pour Saraï, il a réaffirmé sa promesse et je t'assure que Dieu est prêt à le faire pour toi aussi. Il est dit dans Genèse 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans les filles, la promesse a été faite depuis qu'il avait 75 ans. Mais à cause de toutes les embrouilles, on est arrivé à 99 ans, à la porte des 100 ans. Et Dieu merci, à cette époque-là, la Bible dit que Dieu est apparu à Abraham et il lui a réaffirmé sa volonté de le bénir. Il lui a réaffirmé sa volonté de faire de son couple un foyer béni. Il lui a réaffirmé sa volonté de faire de Saraï et lui un couple avec des enfants bénis, un couple avec une postérité. Et je proclame que ce soir, Dieu réaffirme ses promesses en ta faveur. Dieu réaffirme tout le plan de Dieu, tout ce qu'il avait conçu dans sa tête pour toi, tout ce qu'il avait vu pour toi dans le couple dans lequel tu es. Dieu le réaffirme. Même si en ce moment vous êtes en foi, même si en ce moment il y a une Agar qui s'est immixée entre vous, même si en ce moment Abraham même ne croit même plus trop que tu es la femme de sa destinée, faut lui dire ce qui est sûr, c'est de moi qu'il s'agit. Tu vois, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et il réaffirme sa promesse. La Bible dit que Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations et ça ne sera pas par Agar. Mais ça sera bien par Saraï, la femme de ta promesse, la femme de ta destinée, celle que j'ai choisie pour toi. Tu vois, Dieu ne se répand pas de ses dons. Tout ce que Dieu a prévu que vous puissiez bâtir en tant que couple se fera. Toutes les promesses qui étaient dans le cœur de Dieu et qu'il a mis dans ton cœur, cette vision-là qu'il t'a donné de voir, sache que le Seigneur le fera. Alors, ressaisis-toi. Et si tu as fait des mauvais calculs, tu as fait des mauvaises équations, tu as fait rentrer ce qu'il ne fallait pas dans votre histoire, répands-toi et compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Peut-être que parmi nous, il y en a qui ont vu les Agar s'approcher, mais elles ont eu la sagesse et le discernement de réaliser que non. Agar ne va pas rentrer ici. No way. Voilà. Si tu as eu ce discernement, si tu as agi comme il fallait, je bénis le Seigneur pour ta vie et je t'acclame. Tu es une femme de valeur. Voilà. Et
je t'encourage à continuer dans cette lignée, à discerner là où les agas se cachent, hein, tous les broussailles, non, où elles sont, faut les discerner. Voilà, Aga doit rester Aga, Sarah reste Sarai. Voilà, donc pas de mélange. Alléluia. Et puis, la promesse tardait toujours parce que bon, le couple vacillait un peu, restait pas ferme dans la promesse et tout. Alors, Dieu a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Tu vois, Dieu a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'identité de Abraham et Sarai. Tu vois, il y a une identité qui nous colle à la peau, une façon d'agir qui nous colle à la peau, des habitudes, une culture qui nous colle à la peau et qui nous empêche d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Des fois, il y a une histoire passée qui nous colle à la peau. Il y a un surnom qui nous colle à la peau. Vraiment, il y a des choses qui, malgré nous, nous empêchent d'entrer dans le plan de Dieu. Si tu as discerné ces éléments, appelle le Seigneur au secours. Dis-lui, Seigneur, là où je ne peux pas, toi, tu peux. Là où je ne peux pas, Seigneur, toi, tu peux. Là où je suis lié, incapable de me délier. Là où je suis congelé, incapable de me mouvoir, incapable d'aller de l'avant, incapable d'apporter le changement qu'il faut. Seigneur, viens à mon secours. Peut-être que c'est ton caractère qui est trop collé, trop figé, trop congelé sur toi. Appelle le Seigneur au secours parce que c'est lui qui t'a créé et il a donc le pouvoir d'apporter le changement nécessaire pour que la vie prenne place, pour que la bénédiction s'installe et qu'elle s'installe définitivement. Alléluia, c'est ce qu'il a fait pour Abraham et Sarah. Il a pris le taureau par les cornes, il est entré dans la danse et il a dit, vous de là, je crois que je vais changer votre identité. Vous ne serez plus les mêmes, voyez. Et ça, c'est le travail que Jésus-Christ a fait. La Bible dit, il a payé le prix pour que nous ne soyons plus les mêmes personnes, pour que nous ne soyons plus les mêmes femmes, pour que les vieilles histoires ne continuent pas à nous suivre. Il a payé le prix pour que nous ne soyons plus les filles de notre vieux père, pour que nous ne soyons plus le fruit des vieilles habitudes. Non, la Bible dit, Christ a payé le prix afin que désormais nous devenions des filles de Dieu. À travers le sacrifice de Jésus, le pouvoir nous a été donné de changer d'identité. Donc, il a fait, il a payé le prix, il a fait pour Abraham et souviens-toi qu'il a fait pour toi. Alors, désormais, tu ne dois plus t'identifier par ce qui t'a identifié dans le passé. Tu vois, non, on peut dire, oui, elle était comme ci avant, elle était comme ça avant. Mais il faut qu'il y ait un avant et un maintenant. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Tu vois, il faut que dans ta vie, tu puisses dire, ah, avant, voici ce qui se passait. Mais maintenant, je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle identité, je suis une nouvelle histoire en Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 17, je crois, quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Tu vois, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est cette parole-là que Dieu a appliquée sur la vie de Abraham et Sarai. Alors, au verset 17, il leur dit, pardon, au chapitre 17, verset 5, il leur dit, on ne t'appellera plus Abraham. C'est vrai, on t'appelait père élevé, mais tu n'as pas pu être élevé. À tel point que c'est devenu même un sujet de moquerie. Je change ton nom et je dis que désormais, tu seras Abraham, père d'une multitude de nations. Ça veut dire que tout ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie. Tout ce qui était stérile va commencer à porter du fruit. Tu vois, même si toi, tu n'as pas réussi ce pari, tu n'as pas réussi ce challenge, lui, il a le pouvoir de le manifester dans ta vie. Tu vois, non? Et il a continué, il n'a pas seulement changé le nom et l'identité d'Abraham, il a aussi changé l'identité de Sarai. Et il a dit à Abraham,
On ne donnera plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Désormais, son nom sera Sarah. Sarah également signifie princesse, comme Saraï signifiait princesse. Mais Sarah gagne une couronne parce que Sarah signifie princesse couronnée ou princesse élevée. Alléluia, je proclame qu'à partir de ce soir, tu t'appelles Sarah. Tu gagnes une couronne, tu gagnes une élévation, tu gagnes une promotion dans ta vie de couple, dans ton cheminement avec le frère. Quelque chose se passe, tu changes d'identité, il ne voit plus la même personne. Tu vois, quelque chose de nouveau prend place parce que Dieu s'apprête véritablement à manifester sa promesse. Alléluia. Et puis, après avoir changé l'identité de Sarah et Abraham, il apprend une chose très importante à Abraham. Il lui apprend que Sarah est la femme de sa destinée. Tu vois, c'est important que Dieu rappelle ces choses-là. Parce que Abraham avait perdu de vue la vision. Il se disait, bon, ok, je vais être père d'une multitude, je vais être DG d'une grosse entreprise, je vais être un homme élevé dans cette nation, je vais devenir un homme de Dieu célèbre et puissant, je vais devenir député, etc. Mais celle-là, voyez, il y a des hommes comme ça. Vous avez commencé ensemble, trimé ensemble. Maintenant qu'on est à la porte de la gloire, il commence à dire non, celle-là, ce n'est pas la femme de ma destinée, ce n'est pas la femme de mon élévation. Il faut lui dire tché, tché. Impossible. Ce n'est pas possible. Moi, là, on rentre dans la gloire ensemble. Tu vois, non? Et il faut savoir que Dieu sera toujours pour toi. Dieu ne se répond pas de ses dons. C'est vrai, Saraï avait commis des erreurs. Elle a même donné Agar à son mari. Agar fait un joli bébé, joli enfant. Ça dit, malgré toutes tes erreurs, quand Dieu t'a positionné là, il t'a positionné. Le plan que Dieu a fait pour ta vie, personne ne peut venir jouer ton rôle. Impossible. Impossible. Peut-être que Agas avait préparé les couscous, tu vois, non? Les boissons, les thés du désert, les trucs de l'Égypte, là, les recettes. Tronc. Mieux que Sarah. Mais ce qui est sûr, Sarah, c'est Sarah. Voilà. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et tu as vu que quand Sarah a pris la parole pour dire à Abraham, chasse cette femme et son fils, même Abraham voulait réfléchir. Dieu lui a dit, non, non, réflexion, là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Moi, là, j'ai choisi Sarah et ça sera Sarah. Dieu t'a choisi, ça sera toi. Il faut savoir que Dieu sera toujours de ton côté. Il sera toujours dans ton camp. Il sera toujours en ta faveur. Tu vois, reste collé à lui. Reste coaché à lui. Malgré tes erreurs, malgré tes manquements, la place qu'il t'a donnée, il ne se répand pas. Et si tu restes à genoux devant le Seigneur, tu verras que Dieu va rappeler à ton Abraham que tu es la femme de sa destinée. Et c'est ce qu'il a fait pour Abraham. Il lui a dit, toujours au chapitre 17 de Genèse, il lui a dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Alléluia. Vous savez, des fois, les hommes ont l'impression que les femmes qui sont à leur côté ne servent à rien, sinon à leur apporter des problèmes, etc. Non, quand Dieu a mis une femme à côté de toi, elle transporte une partie de ta destinée. Elle transporte l'instrument de ta bénédiction. Et cela me fait penser à un témoignage que un de nos pasteurs de Vase d'Honneur m'a rendu. C'est un témoignage tellement édifiant. Il explique qu'en fait, il avait assez de soucis avec sa femme et dans sa tête, vraiment, il commençait à la minimiser, il commençait à faire ses plans sans elle. Il se disait, bon, écoute, moi, je vais avancer parce que, bon, je crois pas qu'elle, là, elle va vraiment m'aider à avancer et tout ça. Donc, il avait de telles pensées. Il se disait, moi, je vais commencer à me construire, à m'organiser pour avancer et tout ça. Et puis,
Pendant qu'il avait ses pensées, une nuit, alors qu'il dormait, il a fait un songe. Et il raconte que dans le songe, en fait, il y avait une grande bassine d'eau qu'il était censé soulever pour traverser une pièce et aller la poser dans une autre pièce. Donc, le frère, je le connais, il est costaud, bien musclé là. Il dit, il est venu, il s'est dit, oh, ça c'est un petit problème, il s'est abaissé, il a soulevé la bassine. Il a pris la bassine, au moment de soulever, oh, il n'arrivait pas à soulever. La bassine était juste trop lourde. Il essaie, il n'arrivait pas, Donc il était en train de se muscler sur la bassine. Sa femme s'est approchée, elle dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas répondu parce qu'il s'est dit, si je lui réponds là même là, elle va faire quoi pour m'aider? Une bassine lourde comme ça, telle que je la vois là, elle, la femme là, elle peut pas soulever. Donc, il n'a même pas répondu. Donc, la femme lui a dit, donc, toujours dans le son, elle dit, chérie, c'est quoi? C'est la bassine là, tu veux soulever, non? Il n'a pas répondu. Elle dit, bon, attends, laisse, je vais t'aider. Donc, bon, se rendant à l'évidence, il a laissé la bassine. Mais dans sa tête, il se disait, si moi, j'ai pas pu soulever, c'est elle qui va soulever. Donc, la femme est venue, elle s'est abaissée. Il dit, elle a soulevé la bassine avec une telle facilité. Il s'est dit, non, attends, je rêve. La femme a attrapé la bassine, elle a soulevé comme si c'était un sachet de pop-corn. Elle a soulevé la bassine, elle a traversé la salle et puis, arrivée à la porte de la seconde pièce, elle a déposé la bassine et elle lui a dit, maintenant, tu peux faire entrer la bassine dans la pièce. Non, je sens que tu dois t'acclamer. Non, ma chérie, c'est de toi-même il s'agit là. Voyez. Et le frère, il dit que dans le songe, il était tétanisé, s'est dit « waouh ». Et chose extraordinaire, quand la femme avait déposé la bassine à la porte de la seconde pièce, tout honteux, là, il s'est approché. Au moment où il voulait soulever, la bassine s'est soulevée, il est rentré, il a mis ça dans la pièce. Tu vois, non? Donc, l'autre pièce, là, il ne peut pas rentrer sans toi. La bassine, là, c'est toi qui vas soulever, voyez? Donc, en fait, quand il s'est réveillé de son songe, il a compris qu'il y a un secret qui se cache dans la femme de ta destinée. Voilà. Les choses que tu ne peux pas faire, elle est fait. Dieu a caché en elle une énergie, une capacité qui va lui permettre de faire avec une telle facilité des choses devant lesquelles toi, tu vas, l'homme va buter. Tu vois, non? Donc, ma chérie, tu dois te valoriser. Tu vois, des fois, nous-mêmes, en tant que femmes, on ne réalise pas toute l'énergie, toute la force, toute la puissance qui se cache en nous. C'est vrai, Sarah n'était pas parfaite, elle a fait beaucoup d'erreurs, mais la puissance de la promesse se cachait en elle. Voyez, parce que femme n'est pas femme, enfant n'est pas enfant, et Abraham l'a su à ses dépens. Voyez, non. Donc, il y a une femme qui est la femme de la destinée d'un homme. Et je proclame que tu es cette femme-là. Si tu es dans ce foyer, c'est que tu es la femme de sa destinée. Peut-être qu'il n'a pas encore vu parce qu'il regarde mal, parce que bon, il juge mal, peut-être parce qu'il est impatient. Mais dans tous les cas, quand ton heure va sonner, tu vas soulever la bassine-là avec une telle facilité. Et c'est comme ça qu'au final, Saraï a donné naissance à cet enfant-là, qui a été l'enfant de la promesse. Mais entre la manifestation de la promesse et le fait que Dieu réaffirme sa promesse, il y a une étape, sinon deux étapes très, très importantes. Et l'une de ces étapes, c'est la circoncision. Voyez, ça aussi, c'est un élément essentiel dans l'histoire de Abraham et Sarah. C'est que, à un moment donné, Dieu a donné une instruction. Dieu a dit circoncision. Voyez, circoncision. Le Seigneur a réaffirmé la promesse. Il est en marche pour l'accomplir. Mais tu connais Dieu, son affaire, c'est ça. Tu vois, non? Avec lui, là, c'est un petit, il y a toujours un petit donnant-donnant, quoi. Ça dit, c'est vrai, sa grâce est là, sa faveur est là. Mais tu sais que quand il veut te bénir, là, il ne veut pas seulement te bénir, il veut te tailler, il veut te réajuster, il veut te jagger, comme les jeunes aiment le dire. Tu vois, non, il veut te rendre propre, il veut, non. Comme ça, même le jour où lui il dort, à supposer même qu'il dort, Satan même va découvrir que non, tu es taillé pour le rôle, tu es prête. Alléluia. Donc, c'est pour dire que souvent, il ne faut pas rester seulement à vouloir que Dieu fasse des miracles dans nos vies, à vouloir... Non, Dieu n'est pas un magicien. Tu vois, Dieu est un bâtisseur.
bâtisseur. Certes, il veut te bénir, mais il veut que la bénédiction atterrisse sur un terrain favorable. Il veut que la bénédiction tombe sur la bonne terre pour ne pas qu'un oiseau du ciel vienne l'arracher ou que des épines viennent étouffer la bénédiction. Non, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Dieu sent que la puissance de la bénédiction va descendre, il te dit, ma chérie, circoncision. Tu vois. Et à cette étape-là, il dit à Abraham, oui, j'établirai mon alliance avec toi. Je le ferai avec Isaac, votre enfant. Je le ferai avec Sarah, etc. Mais il y a quelque chose. Voyez, non. L'enfant est né, la bénédiction est là. Mais je veux que tu saches que s'il n'y a pas le signe de l'alliance dans ta chair, si je ne t'ai pas retaillé, si je ne t'ai pas repositionné de façon effective et définitive, la bénédiction là, tu risques de la perdre. Tu vois? Donc, il ne s'agit pas toujours de courir après la bénédiction. Oh oui, je veux que mon chéri devienne gentil. Je veux que... Non, c'est vrai. Lui là, Dieu va faire dans sa vie, mais toi aussi, tu dois devenir véritablement, n'est-ce pas, l'instrument, comme on dit, la cruche de l'onction, la cruche de la bénédiction. Tu vois, tu dois véritablement devenir cette aisée qui a son poste, qui fait ce pourquoi elle est là et surtout par rapport à qui personne ne peut douter. Voilà. On dit c'est toi là, tout le monde va reconnaître que c'est toi. Il y a une sœur par exemple qui rendait un témoignage une fois, alors que j'étais allée à un anniversaire qu'elle organisait chez elle à la maison. En fait, c'est pas elle qui rendait le témoignage. Non, c'est vrai, c'est pas elle qui rendait ce témoignage. Il y avait un anniversaire chez elle à la maison. Je pense que c'était l'anniversaire de son mari, si je ne me trompe pas. Et à sa grande surprise, sa belle-mère a pris la parole. Et normalement, quand on a donné le micro à sa belle-mère, l'idée, c'était qu'elle fasse l'éloge, elle parle de son fils et tout ça, parce que c'était lui l'anniversaire. Et vous savez quoi, les filles? Comme quelqu'un dirait, guess what? La belle-mère prend le micro et elle encense la belle-fille d'en haut jusqu'en bas, d'en bas jusqu'en haut. Elle dit non, ma belle-fille, c'est belle-fille 5 étoiles. Elle est comme ci, elle est comme ça. Non, j'ai découvert une femme de valeur, une femme... Nous tous, on était là, on dit chiii. En plein anniversaire, la belle-mère a fait l'éloge de la semaine propre. Tu vois, et ça, c'est le fruit de la circoncision. Ça dit que quand Dieu finit son travail, personne ne peut contester. Et la belle-mère a dit non, elle est vraiment la femme qu'il fallait à mon fils. C'est la femme qu'il fallait à cette place. Et personne, tant que moi je serai vivante, ne pourra la déloger. Et j'ai dit à la chérie, j'ai dit pour toi, elle est finie. Oh. Pour toi, elle est finie. C'est scellé. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, les filles. Et non. Donc, la circoncision, Dieu dit à Abraham, il faut passer par l'étape de la circoncision. Et c'est donc ce qu'il a fait. La Bible dit qu'Abraham a circoncis toute sa famille. Il a circoncis son fils, il a circoncis ses serviteurs. Et d'une certaine façon, Sarah a été aussi circoncis en Abraham. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons laisser le Seigneur faire son travail de circoncision dans nos vies pour que nous soyons irréprochables. Et c'est en cela que le couple va aller vers la pleine manifestation de la qualité que Dieu lui a donné d'être, et occuper la place, la position que Dieu lui a donné d'être. Et vous le savez, avec tout ça, la promesse a été accomplie. Dieu s'est souvenu de Abraham et de Sarah et il a accompli sa promesse. L'enfant tant attendu a été manifesté et nous connaissons toute la suite. Ce couple est une bénédiction pour les nations. Il y a des nations qui sont sorties de Isaac, vous voyez, non? Et ils ont été scellés dans une alliance de bénédiction avec le Seigneur. Et Dieu pouvait dire à Abraham, au chapitre 22, je veux terminer avec ça. Dieu dit à Abraham, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ah! Ah! Il faut dire avec moi, ah! Voilà. Donc, la bénédiction est là. Et puis, Dieu fait un dernier acte. Il est dit, Dieu met Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te
dirai. Je sais que tu as envie de dire, tchi, Dieu des... Non, franchement, Dieu a fini avec ça. Tu vois, non. C'est pour te dire que dans la poursuite de ta destinée, dans la poursuite de la bénédiction, faut bien attacher ta ceinture. Faut bien nouer ton keiwa. Tu vois, non. Donc là, keiwa, dans une langue ivoirienne, c'est, tu vois, la ceinture traditionnelle, là, en pagne, là. Voilà, que les femmes nouent autour de leurs reins quand l'affaire devient sérieuse. Donc, vous toutes qui n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, c'est un petit secret que je viens de vous donner. Chez nous ici, on a le keiwa. Tu vois, quand le combat va devenir fort, où tu dois sortir toute ta force, tu attaches bien ton keiwa. Ce qui est sûr, une fois que c'est attaché là, tu es sereine. Donc, en Christ, le keiwa, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, non. Tu dois être scellé du Saint-Esprit. Tu dois être bé dans la parole, prête pour tous les défis. Voyez, non. Donc, le Seigneur va encore frapper. Parce que c'est le cas de le dire. Dieu va encore frapper. Parce que tu vois, non, il faut qu'il te teste. Parce que ton couple doit devenir une bénédiction. Tu vois, tu dois témoigner, tu dois porter l'évangile loin, tu dois, tu vois, non, on doit rendre témoignage de toi. Donc Dieu va tester un peu encore l'assise. Tu vois, le chemin a été long, mais il y a quand même une fin. Il y a une dernière épreuve, c'est vrai, mais ce qui est sûr, après la circoncision, normalement, tu es prête pour la dernière épreuve. Et Abraham a éprouvé et a été encore éprouvé par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous voulons que Dieu nous bénisse, mais souvent quand la bénédiction arrive, on commence à être trop attaché à la bénédiction par rapport à lui. Tu veux te marier, tu veux te marier, le fiancé est arrivé, maintenant c'est toi, on ne te voit plus à l'église, on ne te voit plus dans le service. Jean, tu es trop contente quoi, tu vois, tu es trop heureuse. Laisse ça, ma chérie, laisse ça. Abraham est passé par là avant. Si tu n'y prends garde, Dieu va venir secouer un peu ton cacaoyer. Tu vois, non? Donc, même quand le cacaoyer est là, tu aimes les cabos, tout est brand, brand new, ça brille, tu es contente là. Fais comme si, tu vois, non? Fais comme si. Ça, c'est un secret, hein, les filles. C'est un secret. Même si vous êtes dans le foyer, il faut aimer votre mari. Faut le choyer tout. Mais de temps en temps, fais un peu comme si. Tu vois, non, Jean, mon cher, tu peux vivre. Même s'il est là, il n'est pas là, tu peux vivre. Voyez, non. Donc, des fois, on est trop attaché à la bénédiction. Mariage, on a cherché là. On peut être attaché au pantalon du monsieur. Il va à gauche, on est là. Il va à droite, on est là. Il nous tire partout. Non, tu n'es pas devenu son sac à main. Tu vois. Et c'est là où Dieu a testé encore Abraham. Lui, Sarah, il avait géré. Mais son chouchou Isaac, Isaaco, non, tu peux pas. Isaac, non. Abraham et son Isaac. C'est ça, des fois, nous, notre affaire de foyer, affaire de trucs, mariage est tellement dans nos dents. Non, Dieu va te tester. Tu vois. Dieu va te tester. Et donc, il a dit à Abraham, ton Isaaco que tu aimes jusqu'à nous deux, on était ensemble ici, on a fait nos 50 ans ensemble, on se comprenait. Depuis qu'Isaac est venu, là, tes heures de prière, là, c'est où? Hein? Tes heures d'adoration, là, c'est où? C'est toi maintenant. Stérilité était là, tu as eu le bébé. Maintenant, c'est toi, tu as soufflé bébé là jusqu'à il fait chaud, tu le souffles, il fait froid, tu le souffles. Bébé là, tu as le lavé 10 fois par jour. Pose-le, tu vas prier un peu. Pose-le, tu vas prier un peu. Donc, Dieu a vu que non, il faut qu'il repositionne un peu les choses, tu vois. Donc, même si le Seigneur a fait, le couple s'est réconcilié, maintenant là, c'est ton pied, mon pied. Ma chérie, fais un peu comme si. Voilà, fais comme si. Et c'est le comme si là qu'Abraham n'arrivait pas à faire. Donc, Dieu l'a emmené à Morisha, tu vois, à la montagne du sacrifice. Et là, il lui a dit, ton Isaac, là, offre-le-moi. Tu vois, donc bon, Dieu merci, Isaac n'a pas fait de... Il n'a pas trop contesté. Voilà, parce qu'il y a des bénédictions qui contestent, qui ne veulent pas aller à Morisha. Bon, Isaac a subi son père. Débrouille-toi pour que vous vous retrouviez devant l'autel de Dieu. Pardon. Voilà, donc...
Abraham a pris Isaac, ce qui est sûr, Isaac n'a pas fait trop de résistance, mais il faut noter que Abraham a compris, voyez, il a accepté d'abandonner, de se séparer de la bénédiction. La Bible dit, c'est parce que Abraham se disait, Dieu qui a donné une fois pourra donner encore. Dieu qui a guéri pourra encore sauver. En fait, à travers la bénédiction, tu dois tirer les bonnes leçons et établir une foi inébranlable en Dieu. Parce que ce qui s'est passé hier peut encore subvenir aujourd'hui ou demain. Comment est-ce que tu vas résister? Comment est-ce que tu vas encore compter sur le Seigneur? Il faut que la bénédiction t'ait suffisamment enseignée pour que même si elle t'était retirée, tu saches que la source est toujours là. Ça veut dire que tu dois savoir d'où est venue ta bénédiction, d'où est venue ta faveur, d'où est venue la guérison, d'où est venue la fertilité, d'où est venu le miracle, d'où est venu ce qui te fait sourire ou rire aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu merci, Abraham avait fait le point. Il savait que sa faveur venait de Dieu. Quand Dieu lui a dit « Sacrifie Isaac », il n'a pas contesté. Voyez, perso, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Sarah a dit, comment Sarah a réagi. Voyez, il n'y a rien qui le dit dans le texte. On entend souvent des prédications qui disent que certainement Abraham n'avait pas partagé l'affaire avec Sarah parce qu'elle n'aurait pas pu supporter. C'est une possibilité. Voyez, non. J'ai écouté un enseignement de Jérémy Soudril et son épouse qui disait que il y a la possibilité aussi que Abraham ait parlé à Sarah et que elle aussi, ayant tellement gagné en maturité, lui a dit mon cher, prends-le, emmène-le devant Dieu là-bas, emmène-le. Voyez, non. Donc moi, je veux m'attacher à cette vision-là, à cette possibilité, à cette hypothèse. Parce que nous devons devenir des femmes mûres, des femmes sereines, des femmes assises, des femmes taillées, circoncises par le Saint-Esprit, que rien n'ébranle. Tu vois, ça, c'est le secret que nous laisse le couple de Abraham et Sarah. Et comme tu le sais, Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ta bénédiction. Si tu libères la bénédiction, sache qu'elle sera toujours ton partage, tu vois. Si tu n'accroches pas le foyer là que tu as eu avec des agrafes qu'on ne peut pas enlever, si tu, voilà, que tu restes focalisé sur Dieu, sache que la bénédiction s'établira. Elle sera toujours certaine, elle sera toujours ton partage parce que celui qui marche avec toi est celui qui est fidèle. Celui qui te tient par la main est celui qui a dit « Je ferai » et il fait. Ce qu'il dit, c'est « Oui » et « Amen ». Jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne t'oubliera. Si tu le mets au centre de ton foyer, au centre de ta marche vers ta destinée, au centre de ton couple, la finalité sera toujours la bénédiction, l'élévation, la multiplication en abondance de tout ce qui t'appartient, comme il a fait pour Abraham et Sarah. Que la faveur de ton Dieu soit ton partage, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie dans ce couple. Et si tu es en train de préparer un couple, tu es en train de te préparer pour le mariage, assure-toi de mettre en pratique tout ce que Abraham et Sarah nous ont enseigné jusqu'à devenir Abraham et Sarah, père d'une multitude, princesse élevée à la royauté, parce que tel est le plan de Dieu pour ta vie. Que ton Dieu te bénisse abondamment. Que le type Sarah, Abraham, Sarah, soit ton partage dans le point d'arrivée, dans la finalité de ce couple. Et que toi aussi, tu deviennes une bénédiction, une faveur pour toutes les nations, pour toutes les personnes qui t'entourent. Parce que oui, tel est le plan de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas baisser la tête avec moi et tu vas prier. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, que cette bénédiction
que tu as répondu sur la vie de Abraham et Sarah soit mon partage. Si j'étais Sarah dans une relation avec un Abraham, donne-moi de devenir Sarah, une princesse couronnée, dans une relation avec un Abraham, un homme fécond, un homme qui produit une multitude de faveurs, de bénédictions, un homme productif, un homme béni, un homme qui devient un exemple pour sa génération. Alors, baisse la tête et prie, parle à ton Dieu. Il n'est jamais trop tard. Peut-être que beaucoup de temps ont passé, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et tu es encore à la traîne ou tu étais encore à la traîne il y a une semaine. Sache que Abraham et Sarah sont rentrés pleinement dans le plan de Dieu à la porte de leur 100e anniversaire. Donc, il ne sera jamais trop tard pour Dieu. Il ne sera jamais trop tard. Dieu a toujours le pouvoir, la capacité de réécrire ton histoire telle qu'il te l'a promise. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Oui, ce que tu as dit. Dieu est capable de faire. Tu es capable de l'accomplir, ô Dieu vivant. Il fera. Ce que tu as promis, papa. Tu es capable de l'accomplir, ô Dieu. Peut-être que tu n'as pas parlé directement à cette sœur. Peut-être que tu ne lui as pas parlé de façon audible. Tu ne lui as pas parlé par un réma particulier. Mais tu lui parles au travers de ta parole ce soir. Tu lui parles au travers de la Bible. Tu lui parles au travers de l'histoire de Abraham et Sarah. Seigneur, que ta parole puisse trouver un terrain favorable dans le cœur de ta fille ce soir. Parce que ce que tu as dit, tu le feras. Tes promesses sont oui et amen. Tu es capable d'accomplir. Tu es capable d'élever. Tu es capable de bénir. Tu es capable de renverser toute forme de stérilité. Tu es capable de changer toute situation. Tu es capable de réécrire une histoire qui semblait même aller vers son point final. Tu es capable, Seigneur, tant que tu n'as pas sifflé la fin, tant que tu n'as pas arrêté le match, Seigneur, tant que tu n'as pas dit c'est fini, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir parce que tu es capable, Seigneur. Et nous voulons reconnaître ce soir que tu es un Dieu capable. Nous voulons reconnaître ce soir que tu vas changer des situations, que tu vas changer des identités, que tu vas changer des histoires, que tu vas réécrire des scripts, des scénarios. Au fond, tu ne les réécris pas vraiment. C'est juste que ceux qui avaient pris le scénario en main l'ont mal joué. Seigneur, tu repositionnes, tu remets le scénario, Seigneur, au goût du jour, selon le plan que tu avais depuis la fondation du monde, Seigneur. Oui, Père, tu réécris des histoires, tu repositionnes des destinées, tu reprends, ô Dieu de gloire, des vies qui étaient restées stagnées quelque part, tu les repositionnes, Seigneur. Oui, tu le fais, Papa. Merci, merci, notre Dieu. Merci infiniment. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es capable de faire. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera, déclare-le, il fera, peu importe le temps passé, peu importe les circonstances, peu importe les erreurs, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Yes. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je dis garde la foi.
garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera, Jésus fera, dis-le, déclare-le, annonce-le, il fera, il fera, nous le proclamons, nous le déclarons, il fera, Jésus fera, il n'est jamais en retard, dit il fera, oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera, tu feras, tu feras, tu feras, tu feras, tu feras, Jésus, tu feras, tout ce que tu as dit, ce que tu as annoncé, ce que tu as promis, Seigneur, oh, tu feras. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, tu feras, disons-le, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Acclame le Seigneur avec moi. Nous bénissons le Dieu de notre salut, nous bénissons le Amen, celui qui est Amen, celui qui est le Oui, celui qui est la promesse et qui matérialise sa promesse. Je crois que ce soir, tu as pris une option de réussite, de succès, de gloire avec le Seigneur parce qu'il est fidèle et il le restera. La promesse s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alors tu peux sourire, tu peux danser, tu peux sauter de joie parce que celui à qui tu appartiens est juste trop merveilleux. Alléluia. Alors acclame le Seigneur. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour ce couple extraordinaire de Abraham et Sarah qui reste pour nous des modèles de couple. Beaucoup d'autres choses peuvent être dites sur leur couple, mais déjà nous voulons bénir le Seigneur pour le peu qu'il a partagé avec nous dans la chambre des secrets et assurément nous nous attellerons à être comme Sarah, des reines couronnées, à être des princesses, des reines, oui, des princesses couronnées, des reines qui savent appeler leur mari Seigneur et qui connaissent, n'est-ce pas, la promesse du Seigneur pour leur vie. Voilà, donc nous avons terminé ce soir et j'ai voulu que nous puissions finir sur cette note de joie parce qu'on se marie pour être heureuse, on se marie pour vivre le bonheur et la volonté de Dieu n'est pas contraire à cela. Que le bonheur soit ton partage ce soir. Je sens que dans ta maison, quelque chose de spécial va se passer ce soir parce que tu as réalisé que tu es Sarah, la princesse couronnée et rien ne se fera sans toi dans ce foyer, mais tout se fera avec toi, c'est-à-dire avec ta bonne humeur, ta joie, ta sagesse et tout ce que Dieu a mis en toi en tant que femme extraordinaire. Voilà, nous allons donc nous quitter pour ce soir et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, toujours autour d'un couple avec lequel nous allons encore voyager, n'est-ce pas? Voyager pour que, au bout de ce voyage-là, en tout cas, nous soyons campés pour être des couples juste extraordinaires. Je te dis au revoir à la semaine prochaine et ne rate pas Secrets de femmes le vendredi prochain.